Hey, bonjour à tous, c'est Lenny, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Comme je l'ai dit, on en va en faire des vidéos. Et tout simplement, on va commencer par une présentation de boxe. Alors, je tiens à rappeler que je suis pas un joueur qui joue depuis le début de Dragon Ball Legends. Je joue depuis. En fait, j'ai commencé le début au nouvel an, 2020. J'ai joué pendant quelques mois. Quand il y a eu vers mai, juin. J'ai un peu arrêté les gens, je l'avais même désinstallé pour faire de la place. Et jusqu'à ce que vous savez, il y a Black Goku qui revienne, je l'ai réinstallé. Donc, je l'ai réinstallé, j'ai fait quasiment tout le contenu PvE, parce que le contenu PvP ne m'intéresse pas beaucoup, c'est pour ça que dans Dokkan, quand je me plains des fois, d'ailleurs, il y a des vidéos d'analyse débat qui arrivent sur Dokkan, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je leur dis. PvP m'intéresse pas forcément, parce que déjà, la moitié à peu près des games que je faisais étaient buggés. Et même affronter d'autres joueurs, bah c'est bien, mais bon. Et puis je trouve pour 1000 cristaux, c'est pas assez. Tout le temps en fait, pour seulement 1000 cristaux. Alors qu'en une heure, tu farmes des events PvE, t'as aussi 1000 cristaux. Voilà, je. PvP m'intéresse pas trop. Deuxièmement, je trouve que c'est plus facile d'obtenir des cristaux que dans Dokkan Battle. Parce que déjà dans Legends, l'histoire, donc avec Charlotte et tout. Chalot, je sais pas comment ça se prononce. Et bah tout simplement, en fait, il y a le normal, difficulté normale, et il y a aussi le contenu difficile. Et il y a plein de niveaux, c'est régulièrement mis à jour. Il y a plein de contenu PvE autre que l'histoire, il y a en événements et tout et tout. Bref, Legends est vraiment beaucoup généreux. Et même, je trouve que c'est plus facile, alors c'est peut-être juste par rapport à ma chance, hein, je sais pas. Mais je trouve que c'est plus facile d'obtenir des bons persos. Alors, dans Dokkan, tu peux faire 50 multi, t'as pas de bons persos. Dans Legends, j'ai l'impression que une multi sur 3, t'as des bons persos, quoi. Et vous allez voir, je vais vous dire mes drops après. Donc, ayant parlé de tout ça, on va parler de ce que je n'ai pas. Alors, évidemment, j'ai pas participé aux 2 ans. Alors, au niveau des cartes gratuites, bah vous voyez que toutes les cartes récentes, j'ai pas beaucoup invoqué. Lui, alors je sais pas comment il s'appelle, Basile, je crois. Ouais, Basile. J'invoque sur son portail, je l'ai pas encore eu. Les deux petits Trunks et Goten, je les ai pas eu parce qu'ils sont pas revenus, et comme j'avais pas invoqué parce que j'avais bien installé le jeu, voilà. Vegeta LF, hein, on est d'accord. Ouais. Vegeta LF. LF et Buu, Gohan, Thales, Goku, Pekuan et tout ça, bah bref. De juin jusqu'à bah il y a depuis Black Goku, donc il y a 3 semaines. J'ai pas beaucoup, hein, j'ai pas joué du coup. Du coup j'ai pas eu les nouveaux persos. Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est le Vegeta LF, le Vegeto Blue et le Vegeto Jaune. Et puis quelques autres membres de la team Futur ou Guerrier Fusionné, je sais pas. Ou même Kilivan. Alors, maintenant en vrai, c'est simple, que je fasse les persos que j'ai pas, vous les voyez de toute façon. Parce qu'il y a des persos qui m'intéresseraient, genre Vegeto des 1 an, Vegeto des 2 ans, Gogeta Vert. Bref, mais il manque pas beaucoup de. Parce que vous voyez, ça c'est des Sparkling Ore Detecteurs qu'il y a à peu près tous. Et bon, il y a aussi des bons persos comme lui là, par exemple, je l'ai pas. Ah, ça met un peu de temps chargé, évidemment. Là, lui, j'aimerais l'avoir. Et il y a, en fait, je comprends tellement peu le jeu. Enfin, je comprends tellement peu. Je comprends, mais au niveau des Zenkai, c'est. Il faut 7000 cristaux à peu près, c'est beaucoup trop pour un Zenkai, quoi. Du coup, je le fais pas trop. Alors, au niveau des persos que j'ai. Alors j'ai sélectionné que les sparkings, hein, les extrêmes ne nous intéressent pas trop. Alors vous voyez que j'ai pas mal de sparkings que je dois mettre level 100, enfin level 3000, 5000, level 100 on n'est pas dans Dokkan. Je dois mettre level 5000. Mais vous voyez que je commence déjà, et là, vous voyez qu'au niveau des sparkings j'en ai quand même pas mal, mais pas beaucoup évidemment, mais au niveau des choix de team on est très limité. Donc vous voyez que bah déjà on a eu un des meilleurs persos du jeu pour beaucoup de gens, et je le confirme, et l'ayant joué. Alors je l'ai droppé hier soir. Et là-bas la carte est magnifique. De toute façon globalement toutes les cartes de Legends sont magnifiques. Donc vous voyez que là ce Vegeta est un des meilleurs persos du jeu, clairement. On a obtenu Basile et Lavenda. Non, Bergamo et Lavenda. Évidemment, Bergamo est 3 étoiles et Lavenda est 2 étoiles. J'ai eu 2 fois de suite l'animation Goku bleu contre Golden. Évidemment, ça garantit 2 sparkings. Et à un moment j'avais Kintohan, j'avais eu. Voilà, j'ai eu que des belles animations. En ce moment j'ai de la chance. Alors évidemment, on a eu le seigneur Black Goku, hein, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà montré, 3 étoiles, j'ai forcé sur son portail. Et j'ai eu également Great Saiyaman, que j'ai pas encore monté. Chose.
Enfin, j'ai monté, mais j'ai pas monté son arbre de compétences. Ce Goku, alors, je sais pas s'il est considéré comme un des meilleurs persos du jeu également comme le Vegeta, mais il est bon, hein, il cover sur... Ah, je crois que c'est celui-là, non? Non, c'est celui-là. Lors d'une mise à couvert, détruit au hasard une des cartes de la glace, dans laquelle mise à couvert effectuée contre une attaque d'art physique et expulse l'ennemi. Donc c'est quand même plutôt sympa d'expulser l'ennemi, c'est comme Végéto Bleu et l'F. Mais il est très bon. Alors le Broly... Non, toi tu nous intéresses. Enfin, tu nous intéresses pour ta force, mais sinon tu nous intéresses pas trop là-dedans, parce que je t'ai présenté. Alors Broly Chillai, que j'ai obtenu sur... vous savez, les multi-tickets avec du step-up de Black Goku, bah je l'ai obtenu deux fois. Alors, sur le step-up de Black Goku, j'ai fait environ 5 step-up. Hein. Ce qui est énorme en soi. Hein. Surtout que j'avais déjà le perso. Mais en fait, je voulais Zamasu. C'est lui que je voulais. Bon, il est pas tombé malheureusement, mais je voulais Zamasu. Et lui, il est tombé, donc... En fait, ce qui est fort, c'est... C'est... bah déjà ça, tirer une carte unique... non, mais ça. Réduire le kit 50 et réduire de 20% les dégâts subis quand tu fais sa capsule ultime. Enfin, sa capsule principale. Et ce qui est bien, c'est... c'est que ça rajoute des Dragon Ball automatiquement. Donc après 40 secondes, rajoute une Dragon Ball, après 60 secondes, rajoute une Dragon Ball. Et le soutien de Chillai, je crois qu'elle pique une Dragon Ball à l'ennemi. Alors attends, réduit la... Non. Non. Non, apparemment non. Si, je crois si je l'avais vu, dans les stats, je crois. Non. Putain, mais... Je l'ai vu, elle retire une Dragon Ball. Bon, disons, vous connaissez, elle retire une Dragon Ball à l'ennemi, Chillai, en soutien. Et la carte est très belle. Alors ensuite on a quoi? On a le Freezer LF. Que j'ai pas encore monté son arbre de compétences, j'ai pas encore mis d'orbe. Ou un tout petit peu. Mais qui est bon. Ah, bah, en même temps, c'est un perso qui est sorti il y a pas longtemps, j'espère quand même qu'il est bon. Après je lis pas les passifs, je connais vraiment pas les passifs par cœur. Hein. Les Dokkan, je connais tous les passifs de tous les persos à peu près. Mais non, faut vraiment que je lise. Alors. On a eu du Baby. Oui, du Baby 3 étoiles. Sur les. En fait, au Nouvel An, il y a eu plein de tickets, du coup, j'ai pu voir. Le Goku SSJ 4, évidemment. Bon, c'est un peu grand à charger. Voilà, donc 3 étoiles aussi. Également tombé sur les tickets. Ah ouais, non, j'ai eu de la chance. Et là, le Black Goku. Qui a un an et demi, je crois. Mais qui reste quand même bon, hein, globalement. Bon, évidemment, il est 6 étoiles. En fait, avant Black Goku, il était 3 étoiles. Dès que Black Goku est arrivé, il est 6 étoiles. Il est tombé deux fois. Voilà. Ce qui est pratique aussi dans les jeunes, c'est que les doublons, bah, tu peux en dropper plein de fois, c'est très bon. Plein de fois tu peux dropper, c'est jamais perdu en fait, un doublon. Sauf si tu commences à avoir toutes les étoiles, les 14. Parce qu'en fait, tu peux l'avoir 14 fois, évidemment, alors que dans Dokkan, tu l'as 5 fois. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça confirme, entre guillemets, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que c'est plus facile d'avoir des cartes parce que justement il faut beaucoup de doublons. Enfin, il y en a ils ont pas besoin de doublons, mais il y en a ils ont besoin d'étoiles. Et en plus, et c'est pour ça que c'est plus facile de dropper à mon avis. Après, c'est juste peut-être ma chance. Hein. Évidemment, on a eu le Legendary Finish Legend Limited Vegeta Super Saiyan Divin Super Saiyan. Ce qui est cool, c'est que tu peux mettre plusieurs persos du même nom dans ta team. Et ça, c'est cool. Le Free Cooler Transfo, qui j'ai pas encore joué, mais apparemment il est bon. Bojack, évidemment. Alors lui, je crois que il y a un petit problème, c'est qu'il cover Bouclier Cruel. Alors attends. En cas de mise à couvert quand une attaque d'art réduit de 15% la force de l'allié qui est en train d'encaisser l'attaque et expulse l'ennemi à distance éloignée, l'ennemi ne peut pas être mis KO. Ouais, donc vous voyez quand même que c'est bah, ça représente ce qu'il fait. Hein. Par contre, c'est très beau, le Bojack et le Gohan à côté, qui est le Gohan est très bon, évidemment. Même si je trouve que dans sa première forme, Gohan SSJ1, il est un peu pas trop tanky, mais en SSJ2, il envoie des patates. Hein. Surtout sa régénération, je crois qu'il se transforme. Hit, le respect de Hit, évidemment, qui est bon offensivement. Bon, il faut des étoiles, évidemment, mais qui est bon offensivement. Défensivement, ça pêche un peu, c'est comme dans Dokkan Battle. Le Jubai, le petit Jubai. Jubai 3 étoiles, qui est très fort. Même si je trouve que, en fait, quand il se détransforme de son Kaioken, ça coûte vraiment très très cher les cartes coûtent vraiment très très cher, les cartes d'énergie et d'attaque. Le Legendary Limited de Goku SSJ1, magnifique carte qui est très forte. Alors, le Gohan
le Gohan, Mirai Gohan, vous voyez qu'augmente de 26% l'attaque d'énergie de classe future. Bref, c'est quand même bien. Il est fort. Bon, je joue jamais parce qu'évidemment, quand je tombe contre un ennemi qui est tech, enfin tech qui est vert, enfin qui est. J'ai du mal à parler, qui est bleu, d'attribut bleu, évidemment je prends Black Goku, il est quand même meilleur. Ce Vegeta, en fait ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait au 1 an, ils ont fait Goku et Vegeta bleu, mais pas de l'arc futur. Ah, quoique, attendez, je vais voir. Non, pas de classe future. Et ce qui est cool aux 2 ans, c'est qu'après ils ont fait des classes futures. Bon, après, ça commence à se gâter, on commence à tomber sur du vieux. Parce que je crois qu'en fait, j'ai mis quoi? Non. C'est quoi ça? Attendez. Parce que je crois que j'ai mis, en termes de vieillesse, je crois. Ah bah, ça va réinitialiser, tiens. Non, je sais, j'étais très beau, mais non. On va faire au niveau des drops. Parce qu'on a des trucs puissance rap. Croissant, décroissant. Non, peut pas. Obtention. Vous allez voir qui c'est que j'ai obtenu. Alors on va mettre Sparking. Je vais vous montrer mes drops en même temps. Hein. Alors vous voyez, regardez. Donc vous voyez quand même que des invocations, j'ai obtenu pas mal de choses. Alors attends, j'aimerais reconnaître ma toute première invocation. Voilà, mon tout premier Sparking, c'était lui. Mon tout premier Sparking, je sais pas s'il est bon aujourd'hui, mais c'est mon tout premier Sparking. Voilà. Au niveau des Zenkai, vous voyez qu'il y a aucun Zenkai, même pas en extrême, rien. Parce que je trouve que c'est il y en a, c'est très fort, mais... Déjà, faut débloquer les 7 étoiles. Pour les persos free-to-play comme ce Trunks, ça va. Mais après, faut faire les cristaux et tout. Bon, je sais que c'est farmable avec Diki aussi, mais... Mais faut que je fasse, voilà, faut que je comble le temps, là, je suis plus dans les invocations. Voyez, mettre drop. Donc, au niveau du contenu PVE, ça va. Du PVP, j'en fais pas souvent, mais j'en fais. Voilà, donc au niveau de la petite box, pour vous montrer les extrêmes si ça vous fait plaisir. Hop là. Donc, au niveau des extrêmes, vous voyez quand même que. Il y a Zamasu vert, il y a Mirai Gohan vert. Voilà, cette carte elle est très moche, cette carte. Hein. On va pas se mentir que. Carte est très très moche. À mon avis, c'est la seule carte moche de Legends. Parce que, regardez, même les extrêmes sont bons. Regarde, même lui. Regardez. C'est tellement beau, en fait, les cartes. Il manque un tout petit peu d'extrême, mais pas beaucoup. Je pensais qu'il m'en manquait plus que ça. Hein. Alors, les héros, si ça vous fait plaisir. Voilà, même si les héros, j'utilise jamais, hein, vous doutez bien. Il me manque aucun héros. Ah ouais. Bon, toi, c'est très facile d'avoir un héros. Ok, bah, au moins, c'est déjà ça. Bon voilà les amis, alors je vais vous mettre juste, évidemment le chalotte est très bon, hein, mais il faut qu'il se transforme pour être bon, mais sinon, hein, on va cesser devant la magnifique image de je dois trouver, de Jean-Michel ne connaît plus ses cartes, attention, je vais mettre niveau. J'ai envie de vous montrer, je sais pas, vas-y ouais, je sais pas qui j'ai envie de voir, parce qu'il y en a j'ai jamais vu. Je veux voir des cartes très très belles, voilà, lui j'ai jamais vu. Bon les amis, on va cesser le temps qui se transforme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. Prochaine vidéo les jeunes du PVP évidemment. Et voilà, la magnifique transfo. Je vois pas qu'il est quand même bon, la magnifique transfo évidemment. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo c'est du PVP. Et ou alors invocation, mais faut en fait... Comme j'ai pas l'habitude dans les jeunes, vu que j'obtiens des cristaux, en fait je termine les cristaux, je fais des invocations. En fait, je peux pas m'arrêter tellement. Quand j'ai un bon feeling, je peux pas m'arrêter. Et dès que j'ai une multi un peu merdique, je m'arrête. Genre là, tu vois, si je vais invoquer dans l'autre portail de Basil, Lavenda, enfin le trio des Danger, c'est pour avoir Basil, pour les 3, pour compléter la team. Mais surtout aussi pour avoir des étoiles sur les 2 SCG bleus. Parce que le Black Goku violet, il m'intéresse vraiment pas. Hein. J'ai déjà 3 Black Goku, ça me suffit. Bon les amis, vraie fin de cette vidéo cette fois, j'espère qu'elle vous aura plu, j'arrête l'enregistrement, j'espère qu'elle vous aura plu, allez ciao.